Le Club DV et Speed Action vous présentent le Studio DV. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour Vincent. Bonjour Jean-Paul. Ravi de t'accueillir à Bruxelles. Saison ô combien intéressante. J'ai toujours l'habitude de dire place aux jeunes quand ils sont compétents. Et là, le Dream Team, le quatuor. Parlez pas de moi. Non, quatuor, non, je ne parle pas de vous. C'est vrai qu'on se vous voit. Voilà, excusez-moi, Vincent. Et c'est vrai que les mousquetaires du Club DV ont fait très fort cette année. On va donc recevoir Sarah Bovy, Ulysse Depeau, Hugo De Wild et Nigel Bay. Est-ce que ça vous convient? Pas mal, pas mal. Voilà. Et surtout qu'on commence, honneur aux dames, bien évidemment, avec celle qui rentre de Bahreïn, puisqu'on est juste quelques jours au moment d'enregistrer cette émission après cette finale des 8 heures de Bahreïn. Sarah, première question, pas mal. Pole position, podium, ça aurait pu être pire. Oh, c'est sûr. Bonjour, bonjour. Ça me fait super plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que Bahreïn, ça a été une belle conclusion d'une saison très très bien remplie pour moi, je pense ma plus remplie à ce jour. Et effectivement, on revient avec la pole et un podium pour la dernière. On a failli revenir avec une victoire, je pense que si la course avait fait 6 heures au lieu de 8, c'était bon, c'était dans la boîte, mais bon voilà, c'était une 8 heures. Et on s'est bien battu jusqu'au bout, on a montré ce qu'on a montré sur chacune de nos courses cette année, c'est-à-dire la détermination d'être là parce qu'on est des pilotes de course qui en veulent et qui poussent les voitures à 100%. Donc pour nous, c'est ça le plus important. Génial. Alors, saison magique, particularité je trouve, parce que le sport en général, c'est les filles d'un côté, les garçons de l'autre, à part le double mix au tennis, mais enfin, qui regarde. Là, vous faites un malheur, vous tapez les mecs, pour parler simple, sur une Ferrari de surcroît. Comment ça se passe? On doit quand même, cette année, vous regarder comme des extraterrestres. En fait, c'est assez marrant parce que je trouve que l'ambiance est un peu différente en fonction des championnats. Donc en ELMS, par exemple, les filles étaient là déjà depuis plusieurs années. Elles avaient déjà fait des podiums, on connaît bien le peloton, parce que c'est des pelotons qui ne changent pas beaucoup, c'est souvent les mêmes pilotes, les mêmes voitures. Et là, depuis l'année dernière déjà, aucun problème, on est très, très bien accueillis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une énorme surprise quand on est devant, c'est bien vu. En Wake, quand on a commencé, par exemple à Monza, quand j'ai fait la pole, ça a été assez émouvant, parce que moi, c'était ma première pole à ce niveau-là, et puis c'est vrai que la première fois qu'une femme faisait une pole en championnat du monde. Et en conférence de presse, les pilotes qui étaient avec moi, les autres pilotes qui avaient fait les poles dans les autres catégories, m'ont vraiment applaudi, j'étais vachement émue. Donc on a aussi été très bien reçus, même si on est un peu plus surpris, on va dire, en Wake. En GT World Challenge, c'est la guerre. En GT World Challenge, la voiture rose, on sent qu'on est un peu un target. Après, je dis ça, mais je le dis de façon bienveillante aussi. On sait que le peloton, de manière générale, du GT World Challenge est un peloton beaucoup plus musclé. Testostérone. Les bagarres sont un peu plus appuyées, du GT3, c'est pas la CO, etc. On pousse un peu. Mais au final, on s'est aussi battu pour le titre jusqu'à la dernière course en GT World Challenge. On a aussi gagné les 24 heures de Spa, donc ça veut dire qu'on a réussi à rester sur la piste pendant 24 heures. Donc respect, il y a un respect de la jante masculine. Il y a eu un switch en tout cas au cours de la saison et moi je vois ça de façon très positive. De manière générale, quand les Iron Dames sont là, on a plus l'impression qu'on est les bienvenus qu'autre chose. Alors Sarah, avec les Iron Dames, vous avez multiplié les participations cette année. C'est bien ça, vous étiez très rarement en Belgique. On se disait, tiens, dans quel coin de la planète se trouve-t-elle maintenant? On est donc ravis de l'avoir parmi nous. Elle a réussi à se poser, enfin. Et elle vient de Bahreïn, donc c'est assez loin. Est-ce qu'on se rend compte, dans cette actualité foisonnante, avec ces courses qui se succèdent, qu'on marque quelque part les esprits et que Sarah Bovy, enfin, je le vois avec Speed Action, très clairement, la moindre news sur Sarah, c'est une news qui marche très fort. Vous êtes entrée dans les mœurs. Non, c'est pas quelque chose que je peux vraiment calculer, même si on me le dit. Donc, d'une certaine manière, c'est pas la première fois que je l'entends. Et c'est vrai que, évidemment, j'ai vu qu'il y avait un intérêt croissant. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait.
Maintenant, déjà, je nous vois plus comme un projet avec plusieurs pilotes, mais aussi avec tous les gens qui travaillent derrière, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon individuelle. Mm-hmm. Donc, je ne le prends pas pour moi personnellement. Mais une fois de retour en Belgique, mais une fois de retour en Belgique, c'est Sarah Bonvici. Voilà, vrai que c'est, je me retrouve chez moi toute seule et c'est un on peu est là, différent. On est là. Est-ce que tu te rends compte ou est-ce que tu as l'impression que ça peut créer de l'émulation chez les petites filles qui, plutôt que de jouer à la poupée, vont dire « Tiens, est-ce que tu y penses débat. Parfois ?» Ouais, non, c'est vrai. On a énormément de petites filles qui viennent nous voir, notamment sur les séances de dédicaces qu'on a avant chaque course, etc. Et on en a de plus en plus qui viennent en combinaison de course. Il y en a même une aux 24 Heures du Mans qui avait une combinaison Iron Dames qu'elle avait fait faire sur… donc, c'est assez impressionnant. C'est touchant. Et je trouve ça génial. Bien sûr. Ce que je trouve doublement génial, c'est qu'on a aussi des petits garçons qui viennent nous voir, qui nous disent qu'ils nous regardent à la télé, que leur voiture rose, c'est leur préférée. Et je me dis, mais on change pas juste l'état d'esprit de ces petites filles pour les encourager à aller en sport auto, ce qui est une super bonne chose, c'est le but du projet. Oui. Mais aussi, quand elles vont arriver en karting, elles vont peut-être être reçues un peu différemment de ce que ça a été pour nous. Bon, parce qu'elles vont être avec des petits garçons peut-être qui ont suivi les Iron Dames et leur parcours. Donc émulation, c'est très certainement. En tout cas, c'est le but. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, donc j'espère qu'on y arrive. Et ça tombe bien, puisque la FIA essaye de promouvoir au maximum les demoiselles dans la course. Et les succès à répétition, les pôles à répétition de ces trois dames en rose arrivent au bon moment. Je pense que vous êtes plus que bien vus, non? Oui, je crois qu'on est bien vus. Après, si vous voulez, derrière ce qu'on fait, il y a l'initiative du projet où le but, c'est effectivement de faire la promotion des femmes, etc. Et après, dans les faits, dans ce qu'on fait sur la piste, on est juste des pilotes de course, on met notre casque sur notre tête et notre but, c'est d'être plus vite que notre équipier, c'est d'être plus vite que la voiture avec laquelle on se bat en piste. Et on ne pense pas une seule seconde à ce moment-là de ce que la FIA pense d'un point de vue médiatique de ce que Bien ça sûr, va donner. Forcément. Donc, on reste des pilotes de course. Notre motivation première, c'est aller vite, gagner des courses. Et après, effectivement, c'est vrai que ça prend des mesures qui nous dépassent un petit peu. Et je suis très contente de pouvoir me reposer sur le team pour la gestion, justement, de tous ces aspects-là. Quoi. Alors, la Ferrari, ça fait partie du passé depuis dimanche. On sait que tu aimais bien la Ferrari, tu vas la regretter, tu n'as pas d'angoisse de passer sur Lambeau. Raconte-nous. Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même un historique avec Lambeau depuis quelques années. Donc, d'une certaine manière, le fait que Iron Lynx ait signé un partenariat avec Lambeau, disons que moi, je rentre un peu à la maison, je reste chez les Italiens, donc tout ça me va très bien. Je pense qu'il y a un très, très beau futur qui s'annonce pour le team avec Lambeau, le projet Hypercar. Même si ça ne me concerne pas moi directement, je suis hyper fier de faire partie d'une structure qui va faire rouler ces voitures. Enfin, on a tous été aux 24 Heures du Mans, regarder les protos avec des yeux comme ça. Donc, se dire qu'il y en aura une dans le box à côté, c'est juste incroyable. Est-ce qu'un jour on peut rêver d'avoir en hypercar une Iron Dames ou c'est tout est possible? Alors je pense que quand on voit déjà ce que le team a réalisé ces dernières années, ce serait très triste de ne pas voir une Iron Dames un jour sur une hypercar. Une fois de plus, je ne pense pas que je serais concerné, je pense que j'ai déjà un petit peu passé le coche. Si on me le propose, je ne dirais pas non, mais je ne pense pas que ce sera pour moi. Tu fais plus jeune que jamais. Cette saison, tu as vraiment… mais en tout cas, je serai là pour supporter ces futurs espoirs du sport auto, je serai là pour vraiment les encourager. Hein. C'est dans deux ans, tu seras encore là. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aucun… Tu rêves pas. C'est pas que je rêve pas, moi j'ai toujours rêvé, je rêvais jamais de faire deux fois les 24 heures du Mans sur une Ferrari, d'avoir potentiellement une troisième participation plus tard, donc rêver je le fais toujours, une fois de plus si on me le propose je serais prête à le faire, tu prends mais les si choses on comme me le propose viennent. Pas, je serais pas aigrie de ça, en fait je considère que j'ai eu énormément de chance en sport automobile et je serai là pour supporter les pilotes peut-être plus jeunes que moi qui auront l'opportunité d'y aller. Et vraiment les encourager et espérer qu'elle fasse de bonnes choses avec cette voiture. Quoi. On peut parler d'Oriane Pain. Par exemple, la jeune française, bien sûr. Qui est devenue votre équipière. Alors forcément, on a un peu cette impression quand même que d'Oriane Pain arrive, joue un peu les coudes. 18 ans, donc 2-3 ans moins que Sarah.
excuse-moi. Elle dit directement qu'elle ne s'interdit pas de rêver à la Formule 1. Non, non. À 18 ans, ce serait triste. Grosse ambition, des chronos top, elle fait du super bon boulot. On a eu quelques craintes à un moment donné en se disant, tiens, est-ce que Dorian Pain ne va pas arriver à essayer de mettre Sarah dehors parce que quelque part, elle est rapide et tout. Comment ça se passe avec elle, Gloria? Tu bronzes, toi, déjà? Alors, moi, je suis bronze et il faut savoir, enfin, juste pour rappeler, Dorian, ça a été ma première équipière chez les Iron Dames, puisque quand j'ai débarqué un peu en last minute l'année dernière, j'ai débarqué en Michelin Le Mans Cup pour être... Elle était la silver et moi, j'étais la bronze. Donc, j'ai fait équipe avec Dorian avant de faire équipe avec Michel et Raël. Et on faisait une très bonne équipe. Moi, je m'entends très bien avec Dorian. Et j'étais tout de suite très étonnée par la pointe de vitesse. Je ne m'attendais pas en débarquant à ce qu'une gamine de 17 ans à l'époque me tape comme ça. Ça a fait mal. Il a fallu la rivalité féminine. Mais au final, enfin, je veux dire, elle a été d'un grand support pour moi quand je suis arrivée dans l'équipe. Et au final, on a chacune fait notre chemin et on s'est retrouvé cette année sur quelques courses, notamment les 24 heures de Spa qu'on a gagné. En ELMS, on a eu malheureusement Barcelone qui s'est terminé par un abandon dans le premier virage, mais par contre à Spa et puis ensuite à Portimao, on fait deuxième et puis on gagne. Ouais. Donc c'est sûr qu'on a plutôt eu de bons moments ensemble avec Dorian. Évidemment, elle arrive, elle prend beaucoup de place. On parle beaucoup d'Anne parce qu'elle est très jeune et que c'est un peu la sensation du moment. Maintenant, je ne vais certainement pas lui reprocher. J'ai eu cette occasion-là aussi quand j'avais 18 ans. Donc, je sais que parfois, les choses nous dépassent un petit peu. Je trouve ça très impressionnant qu'elle garde la tête sur les épaules, qu'elle ne fasse pas d'erreur, qu'elle roule vite, bien. Elle semble être taillée pour se retrouver un jour au volant d'un proto, elle, par contre. Hein. Elle aura un avantage que je n'avais pas à l'époque. C'est vrai que Dorian a peut-être plus le format pilote. On ne peut pas en parler non plus. Hein. Dorian, je pense, a un très bel avenir qui se présente devant elle en sport auto. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et une fois de plus, je pense qu'en endurance, quand on a... 3-4 pilotes qui partagent la saison sur une voiture, etc. C'est normal qu'il y ait des moments qui soient plus tendus que d'autres. Et ce qui fait un équipage fort, en fait, c'est un équipage qui est capable de régler ses problèmes en dehors de la piste et de toujours continuer à aller dans la même direction avec les mêmes objectifs. Et au final, cette année, c'est ce qu'on a fait au sein des différents équipages Iron Dames qu'on a eus. Et moi, je suis fier en fait de toutes les filles pour ça, parce qu'on a toujours bossé ensemble, même si on avait parfois nos propres ambitions qui peuvent être en compétition les unes avec les autres. C'est pas forcément mon cas à moi, mais je peux imaginer effectivement que les Silver entre elles peuvent un petit peu être plus dans la bagarre, c'est normal. Et Jean-Paul, on peut peut-être venir sur cet aspect des choses, pour le grand public notamment, on parle de bronze, silver, pour ceux qui ne sont pas nécessairement au fait du sport automobile. Alors ce sont des statuts, naturellement, bronze c'est entre guillemets un peu moins bien que silver, qui est un peu moins bien que gold, qui est un peu moins bien que platinum. Vous êtes bronze, Sarah, et vous tenez à rester bronze, alors que normalement, dans une hiérarchie sportive, on essaie de grimper les échelons. Pourquoi vous ne voulez pas devenir silver? Vous l'avez été pendant quelques jours, il y a quelques petites semaines d'ici. Ce n'était pas mes meilleurs jours. C'est vrai que la FIA s'est lancé un challenge de séparer en 4 catégories tous les pilotes du monde entier. Donc il faut réussir à mettre des milliers et des milliers de pilotes qui roulent dans des pays différents, sur des voitures différentes, dans des catégories différentes, à des niveaux différents, dans 4 boîtes. C'est extrêmement compliqué. Comme les cartes compliqué. De crédit, hein, silver, gold, voilà, il y a un règlement qui régit tout ça, et au-delà d'être un règlement qui est basé sur la vitesse de chacun des pilotes, c'est aussi un règlement qui est basé sur les statuts, c'est-à-dire sur est-ce qu'on est pilote professionnel, est-ce qu'on est pilote dans un d'usine pour une marque constructeur, est-ce qu'on est payé pour rouler, est-ce qu'on a une activité professionnelle sur le côté, enfin bref, il y a tout un tas d'éléments. Voilà, il y a plein d'éléments. C'est vrai que moi, de par mon âge avancé, puisque je suis une mamie dans le sport automobile, j'ai eu l'occasion de rentrer dans cette catégorie bronze, qui est effectivement une catégorie où on retrouve plus des pilotes amateurs. Les gentlemen and women drivers. C'est une catégorie qui, pour les femmes notamment, est très très peu fournie. Il y a très peu de femmes en fait qui passent 30 ans, qui n'ont pas un palmarès super développé en sport automobile et qui continuent à être sur les circuits. Et à aller vite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui deviennent maman simplement et que du coup, qui passent à autre chose dans leur vie. Et donc, chez les femmes pilotes, on a très très peu de bronzes qui sont actives et compétitives. Ouais. Et je me suis retrouvée dans cette catégorie-là, j'ai eu beaucoup de chance, mais
de par le fait que j'avais jamais vraiment pu faire ce dont j'ai toujours rêvé de faire en sport automobile. Et aujourd'hui, je corresponds à tous les critères. Le problème, c'est qu'on a beaucoup plus de silver, etc., que mon team avait déjà des silver, notamment Dorian et Michel. Et que du coup, même si être silver en soi, c'est plus prestigieux, moi, j'avais pas ni le rythme, ni les critères que le team, dont le team avait besoin pour apporter quelque chose en tant que silver. Il faut rester bronze. Donc, rester bronze, c'était juste. Ouais. Je correspondais à tous les critères et simplement, j'ai fait appel comme, je pense, à peu près 2000 pilotes après les décisions de la FIA. Ce sont les avocats qui s'amusent de ces décisions FIA. J'ai juste démontré un petit peu mon cas et je suis très heureuse qu'ils aient accepté de m'écouter parce qu'au final, je ne demandais absolument aucun traitement de faveur, mais simplement d'être considéré comme les autres. Et au final, c'est le cas. Tout va bien. C'est une bonne chose pour moi, pour ma saison 2023. On va dire. Vous m'avez souvent dit cette saison, Sarah, tant que Ben Keating sera bronze, je resterai bronze. C'est l'exemple parfait du gentleman driver, lui, naturellement. Ouais. Confirmé, lui, il reste au bronze. Lui, par contre, n'a jamais été inquiété. On s'entend très, très bien avec Ben. Et mais je pas pense, le même avocat, donc. Je pense qu'on est très heureux, Ben et moi, de se dire qu'on aura des belles bagarres en piste dans le futur. Parce que, attention, pilote amateur à ce niveau-là ne veut pas dire... mauvais pilote. Ben Keating est plus rapide que beaucoup de jeunes pilotes qui débarquent en GP. On a de très belles bagarres en piste et on s'amuse beaucoup dans cette catégorie-là aussi. Ouais. Mais c'est un peu différent. C'est pas tout à fait la même chose. Ben Keating, c'est un businessman. Il a commencé le sport automobile un peu plus tard. Et donc, effectivement, il n'est pas dans les mêmes chronos que les pilotes d'usine Aston Martin avec lesquels il partage la voiture. Ouais. Bon, en attendant, la petite Sarah était la fille de Kérin. Aujourd'hui, c'est Kérin qui est le papa de Sarah. Ça change quand même la face du monde. surtout quand on arrive au Mans. Pour les goûter, vous voulez dire. Sarah, je ne sais pas si vous avez encore une question pour Sarah. On peut rester des heures, mais le temps nous Ma dernière question était Sarah. Bon sang ne peut mentir, bien évidemment. Ouais, alors, évidemment. On connaît, et Jean-Paul est encore mieux placé que moi, on connaît la carrière de Kérin Bovy. On sait surtout, au-delà de la carrière, la passion qui est juste gigantesque de celui qui est le papa de Sarah. Alors, la place du père quand il est aussi passionné que ça. Il ne vous accompagne pas sur les courses, je pense, Sarah. Il vit sa vie, il vous laisse rouler. Comment ça se passe? Quand j'ai débuté, forcément, il était beaucoup plus présent. Mes premières années, j'étais très jeune et donc il a été beaucoup là. Avec la maturité et avec le recul, je me suis rendu compte effectivement que c'était plus facile pour moi de gérer mes week-ends de course. Sans papa. J'ai pas envie de donner cette impression qu'on est en guerre ou quoi. Je suis chez mes parents tous les week-ends, je les adore. On a une très très bonne relation, mais parfois je fais papa le simple fait de te voir au travers du box. Sans que tu fasses rien, juste le fait que tu sois là, c'est une pression en plus. Donc je ne t'en veux j'en pas. Ai assez, Après, par contre, un truc que je voudrais ajouter, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans les interviews, surtout avec les gens qui ont connu mon père. C'est vrai que je suis la fille de mon père, je suis aussi la fille de ma maman. J'ai beaucoup de fierté d'être l'addition des deux. Aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir été élevée par deux parents qui bien qu'ils n'avaient pas forcément les moyens financiers de m'envoyer sur la Lune, la stratosphère en Formule 1, etc., ont toujours été là pour me supporter, pour m'élever, pour faire en sorte que quand les opportunités se sont présentées face à moi, j'étais apte à les saisir. Et donc, je les remercie, évidemment, pour ce support-là. Merci à ma petite sœur aussi, Julia, parce que le sport automobile, quand on le fait comme moi, je l'ai fait, c'est vraiment toute la famille qui s'investit, quoi. Eh bien, bravo à la famille. Merci. Bobby. Bravo à toi. La journée n'est pas finie. On va fêter ça tous ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Et puis, à très vite. Et tiens-nous... en éveil, tiens-nous en haleine, place aux jeunes quand ils sont compétents, plus que jamais, et tu l'es, c'est que du bonheur pour nous. Le mot de la fin ? Oui, on se revoit très vite, avec d'autres jeunes, compétents, avec le Dream Team. Avec le Dream Team. Magnifique. Merci Sarah. Merci bien, à très vite. Le Club DV et Speed Action vous ont présenté le Studio DV.